Le débat sur les perturbateurs endocriniens sont une illustration d'un phénomène beaucoup plus vaste qui va des OGM, et on peut continuer les données de santé, enfin, etc., et qui montre que là, on a aujourd'hui, on est en train de régresser, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas se dérouler le débat scientifique et que les politiques interviennent dans ce débat scientifique en prenant des lois avant que la science n'ait parlé. Il y avait un excellent rapport. Alors, si on parle également du bisphénol, il y avait un excellent rapport de l'Académie de médecine disant les précautions et les éventuels dangers de ce produit, mais le Parlement s'est arrogé une compétence scientifique. Donc on revient à un état obscurantiste où il y a la confusion des ordres entre l'ordre du juste, du droit, etc., et de la démocratie, et l'ordre du vrai. Et ceci a des conséquences très très lourdes sur l'évolution de l'économie française.